sérieusement. Mais quand même, assez brisé. Ça va de mieux en mieux, j'ai déjà été pire, beaucoup pire. J'ai plus honte. Et j'espère que la thérapie que je suis depuis maintenant beaucoup d'années va m'aider à apprendre à m'accepter entièrement, comme je suis, avec toutes mes failles, toutes mes faiblesses et mes imperfections. C'est ça mon souhait. Être devant vous aujourd'hui m'apaise et m'angoisse en même temps. Ça m'apaise parce que je me sens moins sûre. Je soupçonne très fortement qu'il y en a parmi vous qui comprennent. Peut-être vous autres aussi, vous sentez juste un tout petit peu plus ou moins brisé. Moi, je pensais que c'était juste des traumas, des choses difficiles que les gens vivaient. Mais j'ai appris que c'est pas ça. J'ai commencé au début. Au début, ça c'est mon enfance, mais il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée avec une dépression majeure. Moi, j'ai été tellement surprise, je ne comprenais pas ça vient d'où. J'ai une bonne santé, j'ai un mari qui m'aime, je pense. J'ai des enfants évidemment merveilleux. J'ai une enfance que je catégorise ou qualifie comme étant assez normale. Pas d'abus, pas de négligence. Mes parents m'aimaient. Ils ont fait leur possible. Donc, vivre une dépression, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment surprise. Pourquoi moi? Pas pour moi. Pas de ça. Et comme j'ai dit, je pensais que c'était les traumas, les stress chroniques qui s'accumulent, les pertes comme divorce, la mortalité déclenchée des questions. C'était pas mon cas. C'est vrai qu'à l'époque, si on recule, mon diagnostic est 2 ans, mais il y a des choses qui allaient pas bien. En à peu près 1 an, 2 ans. J'accumulais des stress, c'est vrai. Je ne m'affirme pas assez, c'est vrai. J'évite le conflit, c'est vrai. Puis, je parlais pas beaucoup. Probablement comme bien des gens. Et je vivais une certaine solitude. Je me sentais seule. Je ne voulais pas en parler. J'étais gênée de parler de ça. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais de plus en plus fatiguée. Au travail, autant au travail que dans toutes les autres activités que je faisais. Fatigue, irritabilité, je suis déjà à la base assez irritable, mais ça s'est encore plus amplifié. Des fois, je pleurais, des fois, j'étais triste, d'autres fois, juste engourdie. Le sommeil, parle-moi-en pas, là, c'était terrible. Hein? Au-dessus d'une heure pour m'endormir, les réveils fréquents la nuit, sans m'endormir, puis le réveil à 4 heures du matin avec les petits oiseaux, c'est capable de me rendormir. Chose assez personnelle, j'avais plus de désir sexuel. Je me dévalorise de plus en plus et je me sentais de plus en plus coupable. Cette culpabilité est lourde. On se regarde sans penser. Aller dans le mur, on regarde l'impact sur les autres. Cette dévalorisation, nous, on a été rendu, je pensais que ma vie valait plus rien. Et que j'étais un fardeau, j'étais rendu un fardeau pour mon entourage. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, ou si vous pouvez imaginer, mais se réveiller à tous les matins, jour après jour, en disant, pour une autre journée où je vais corriger, de remettre le masque, travailler pour ne pas être démasqué, pour paraître correct, I'm fine, toute un brin d'énergie et d'espoir, jour après jour, semaine après semaine. Au travail, évidemment, ce n'était pas assez non plus, j'étais fatiguée. Loin de concentrer, je suis une performance.
fallait que ça bouge, puis il fallait que ça paraisse pas. Mais je suis certaine que ça paraissait. J'étais plus dans, j'avais de l'habitude à me concentrer, mes objectifs, mes projets, c'était plus dans. J'avais même l'impression que j'avais des troubles de mémoire, indécision, très difficile. À ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai déjà vu des gens quitter en congé de maladie, peut-être vous autres aussi. Ça tombe comme des mouches, c'est ainsi. Et j'ai essayé, avec toute l'empathie que je croyais avoir, comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ces gens quittent. Mais je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre. Et je réalise maintenant que la maladie invisible, j'avais pas un doigt cassé ou même, même un cancer, la maladie invisible cachée d'entre les deux oreilles est mystérieuse et même épeurante. Bon, j'avais peur, j'avais besoin de comprendre, donc je suis allée sur Google. Il m'agace, il m'appelle Dr. Google. Et je sais, et j'espère que vous savez aussi, c'est très, 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 très important de ne pas s'auto-diagnostiquer en utilisant Google. Et il faut consulter des sites fiables, chose que je crois avoir fait. Et j'ai découvert des choses qui me dérangeaient, qui venaient me chercher. Première chose, à peu près 30% des personnes qui vivent une dépression ne demandent pas de l'aide. Excuse-moi, mais c'est pas ça. 30% demandent de l'aide, 70% ne demandent pas de l'aide. 70% restent tout seuls, restent dans leur honte, leur solitude. Et quand on regarde les études, c'est parce que c'est à cause de stigmatisation qu'on se trouve. J'ai appris d'autres choses. J'ai appris qu'à peu près 8% de la population québécoise qui va souffrir de dépression majeure au cours de sa vie. 8%, c'est pas rien. J'ai appris qu'il y a certaines communautés qui sont plus à risque. Donc, des autochtones, la communauté gay, lesbienne, bisexuelle, transsexuelle, surtout quand ils ne se sentent pas appuyés, bien entourés. Des personnes qui vivent, j'ai appris plein de vocabulaire, des comorbidités, ça veut dire d'autres maladies qui existent en parallèle, des maladies chroniques, des troubles anxieux, des choses comme ça. Et j'ai vu que les artistes sont particulièrement à risque, des troubles de l'humeur, dépression, maladie bipolaire et suicide, jusqu'à 3 ou 4 fois plus que la population normale. J'ai appris des choses par rapport au suicide aussi. 3 personnes s'enlèvent leur vie par jour au Québec. 75% c'est des hommes et le groupe le plus affecté c'est des 35 à 49. Parlons de suicide. J'étais rendue, après un an et demi, à commencer à avoir des idées, des noirs moi-même. Ça a commencé avec des idées comme c'est pas une vie ça, je suis plus capable, ou je pense que mes enfants, mon mari seraient mieux sans moi. Je me sentais de plus en plus désespérée, de plus en plus vide. Et ces pensées se sont évoluées, où j'ai eu des images, des flashs, où je m'en allais. Évidemment, mon mari était très inquiet. Il a appelé le centre de prévention de suicide. Il a expliqué la situation. Moi, je lui ai dit, c'est pas que je veux mourir. C'est pas ça. C'est juste que tout est rendu insupportable, invivable, il n'y a plus d'espoir, je ne vois plus de lumière. Et c'est pour ça qu'il a appelé pour de l'aide. Si vous ne connaissez pas le centre de prévention du suicide, c'est un organisme exceptionnel, des gens exceptionnels, et ils ont beaucoup aidé mon mari à regarder les signes, les indices et nous aider.
Mais avant de parler de ça, j'ai une confession à vous faire. Dans ma vie, quand j'entendais des terriblement tristes histoires des gens qui se suicident, je pense que j'étais plus fâchée que d'autres choses. J'étais plus triste pour les gens qui restaient. Je pensais que c'était un geste égoïste. J'ai rien de juger quelqu'un qui s'enlève la vie comme ça. Je pensais que c'était égoïste. Là, je réalise, c'est pas ça. Comme j'ai dit tantôt, il faut mettre fin à la souffrance. Il faut comprendre aussi que quand on est déprimé, on est un ombre de soi-même. On n'est plus la même personne. Le thème d'aujourd'hui, c'est de briser, quand on est déprimé, tous les ponts vers le pont entre les émotions et la logique, brisé. Tous les fils, tous les liens entre le moi et ma capacité de résoudre des problèmes, d'être créative, d'explorer, de chercher de l'aide, brisé, brisé, brisé. Solitude, désespoir, culpabilité, pas d'espoir. Je pense que je ne jugerai plus les personnes qui s'en vont. Donc, l'appel au centre de prévention de suicide, qu'est-ce que mon mari a appris? Il a appris à chercher ou à regarder pour certains indices qui pourraient démontrer que je suis proche ou que je pourrais poser un geste dangereux envers moi. Il a également appris, on lui a conseillé, de me poser la question directement. Liliane, as-tu un plan pour t'enlever la vie? Non seulement as-tu un plan, mais est-ce que tu as les moyens pour exécuter ton plan? Ça lui a pris du courage, mais il l'a fait. Et j'avais un plan. Mais c'était flou. Mais être rendu là, on a décidé que ça serait une bonne idée de consulter mon médecin. Et mon médecin m'a mis en congé, 3 semaines. 3 semaines, un congé qui a été prolongé, prolongé, prolongé à rémission. Finalement, j'étais out, j'étais off pendant à peu près 3 mois et demi. Et au début, là, je pense que c'était pire parce que culpabilité, culpabilité, culpabilité. Je travaille, je suis cadre au ministère de la Santé. C'est des gens qui travaillent fort. Alors, j'étais entourée par des gens performants. Tout le monde qui travaille overworked, débondé. Moi, je quitte parce que je me sens pas bien. Les mois précédents, mon départ, là, il y avait au moins 2 personnes qui venaient me voir à l'occasion de dire, je ne suis plus capable, là. Je pense que je vais être obligée de partir en burn-out. Moi, je quitte. Donc, leur fardeau augmente. C'était top. Je me sentis encore plus coupable. Je suis qui pour laisser tous ces gens-là dans la vie? Mais en même temps, je m'étais rendue tellement loin dans ma dépression, je savais. La petite fille qui avait besoin d'aller au garage pour réparation, là. Si moi je ne prenais pas soin de moi, personne n'allait, personne d'autre allait le faire. Donc c'était le temps. Ma médecin m'a donné une prescription pour une antidépresseur. Je suis allée sur Google aussi, puis j'étais juste confuse. J'avais peur, j'avais pas l'idée d'être dépendante, me sentais faible, j'ai besoin des médicaments. J'avais peur aussi des effets secondaires, de prendre du poids, puis les autres choses que j'avais entendues et observées dans mon entourage. Mais je l'ai rempli pareil, parce que je me suis dit, comment ça peut pas faire mon corps? Et on m'a conseillé d'appeler ou aller sur le site de l'ordre des psychologues pour chercher de l'aide en termes d'une thérapie, chose que j'ai fait. Puis, je suis tombée sur le site, c'est génial, c'est super bien fait. C'est spectaculaire. Donc, j'ai réalisé que je pouvais aller chercher selon des critères ce que je voulais comme psychologue. Moi, je voulais une femme, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut cocher quel type de problème dans une zone pas loin de chez vous, pas loin de chez moi. Puis, je pouvais cocher aussi quelle approche théorique que je voulais, les techniques.
Puis je comprenais pas les approches théoriques, mais je suis allée chercher des informations sur le site web et sur l'Internet. Et je partagerai tout. J'ai pris des heures à apprendre les théories, puis je partagerai pas tout ça avec vous. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 5-6 théories différentes. Puis ça semble être le cas que chaque théorie a une contribution intéressante. Les théories, l'explication qui est donnée par la théorie détermine l'intervention, tout simplement. Donc, si on pense qu'on est déprimé parce qu'on a eu une enfance très problématique, puis des troubles d'attachement avec les parents, ben on va reculer, puis on va essayer de retravailler ça, là, les problèmes de la pensée. Si on pense que c'est des pensées dysfonctionnelles, des croyances erronées ou problématiques, on va travailler ça. Si on pense que c'est un débalancement des neurotransmetteurs, mais on envoie des médicaments. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Puis moi, ce que je voulais, c'était une thérapie brève où je pourrais comme, travailler dans le concret, dans le « here and now », puis développer des outils. Donc, moi, j'avais coché cognitivo-comportemental, puis j'ai été intriguée par la pleine conscience parce qu'on entend parler dans les médias. Donc, je vais voir, essayer de voir quelqu'un qui travaille avec ces deux approches-là. Donc, j'ai appelé 3 personnes, puis ça a vraiment cliqué. Le choix d'un psychologue est très, très personnel. Puis ça a vraiment cliqué avec une personne. Et donc, je l'ai appelé, puis j'ai réussi à avoir un rendez-vous la semaine d'après. Je ne savais pas si c'était un bon signe, parce que j'avais entendu que ça peut prendre des mois. Donc, je disais, elle est peut-être pas bonne, non, si elle peut prendre des mois. J'ai aimé le film que j'avais avec elle au téléphone. Elle s'appelle Megan Daly. Puis, elle a accepté de m'accompagner aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de son expérience comme clinicienne. Et... aller un tout petit peu plus en détail par rapport à ce qui cause la dépression, mais surtout, elle veut vous laisser partir aujourd'hui avec un message. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc. Je suis contente que Marie m'a invitée. Je suis contente que Jacques m'a téléphoné quand il m'a demandé de venir vous parler de qu'est-ce que c'est être brisé, broken. Là, mon cerveau est parti dans 2100. Je disais, est-ce qu'on va faire vivre la société, l'économie? Je suis pas certaine que je suis voilà. Mais quand il m'a dit, non, on veut parler de l'individu, l'esprit individuel qui est brisé. Je dis, OK. Moi, je peux parler avec mon expérience clinique. Et il m'a dit, j'enseigne depuis presque 20 ans aussi, les choses comme santé mentale au niveau collégial et universitaire. Donc, on va embarquer dans une mini-présentation plus prof pour résumer un peu quels sont les facteurs qui contribuent à et nourrir la dépression. Comme on a vu avec Marie, c'est complexe, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une explication simple ou unique. Donc, si on regarde, Marie se demandait comment ça se fait. J'ai pas eu des pertes. J'ai pas perdu un enfant. J'ai pas vécu la grosse maladie. J'ai pas eu une vie où j'étais isolée. Au contraire, j'ai un bon groupe d'amis. Je suis bien entourée. Puis même pour elle, ça ne va pas protéger. Mais c'est vrai que vivre certaines situations, certaines expériences peut provoquer une dépression. Donc les exemples qu'on a ici, conflit, stress, et surtout quand ça s'accumule dans le temps, puis on gère mal dans le temps, ces choses-là. Un des facteurs qui est ici, l'isolement, est clé. Marie
à parler des... peut-être qu'elle a oublié. Je pense qu'elle a oublié. Les personnes qui vivent seules, qui vivent la solitude, sont plus susceptibles. Puis toutes les études démontrent clairement la solitude, l'isolement, que ce soit pour la dépression, l'anxiété, l'abus de substances, d'autres maladies en général sont plus vulnérables à tomber malade. Des situations, puis là, ce diagramme-là va se complexifier, puis j'aurais pu mettre d'autres flèches, puis je ne sais même plus si les flèches sont logiques. Mais l'idée, c'est que tout s'interfluence. Donc, on vit des choses, on est tout le temps dans nos pensées. Hein. Tout le temps, la tête n'arrête pas. Donc, quand on vit des choses, on peut tomber dans le pessimisme, dans les idées autodélirantes. Et ça peut renforcer l'isolement, ça peut contribuer à la maladie, ça peut augmenter le stress. Donc déjà, on a un beau bout qui... juste ça, c'est assez. Mais c'est pas tout. Les émotions sont là-dedans. Donc quand on vit des conflits, le stress, l'isolement, les pertes, et on commence à penser d'une façon pessimiste, il n'y a plus d'espoir, on se sent impuissant. Mais c'est ce genre d'émotions qui découlent. Et encore une fois, on a un boucle. Plus qu'on est triste et anxieux, plus qu'on peut devenir pessimiste et autodénigrant. Donc, on a un autre boucle qui s'installe. On a aussi des comportements. On pense mal aux comportements quand on pense à la dépression. On pense à des pensées négatives, il y a des émotions. Mais quand on s'isole, on décide, on modifie nos comportements. On manque de travail ou on ne parle plus à nos collègues parce qu'on n'est plus confiant, on sent un fardeau. Là, cet isolement-là augmente. Il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de faire des activités qu'ils faisaient normalement. L'un des critères diagnostiques de dépression, c'est de perte d'intérêt. Toutes les choses qui m'intéressaient auparavant, ça ne tente plus, je n'ai pas l'énergie, mais j'ai juste pas le goût. Donc, encore une fois, ce retrait, se retirer des activités. On est au travail, puis la gang dit, tiens, on va aller prendre un verre ou on va aller dîner. Non, merci. Ce retrait-là aussi a un autre impact. Ça prive des personnes, des opportunités d'avoir des renforcements positifs. Un sourire de quelqu'un qui donne le message, hey, t'es correct. T'es pas un loser, on t'aime, on te trouve drôle, on te trouve intéressant. Plus que la personne se retire, moins elle a des opportunités de vivre ça. Puis un impact, encore une fois, un genre de boucle, le sommeil s'empire. Plus que le sommeil s'empire, plus qu'on est fatigué et épuisé, plus qu'on est fatigué et épuisé. Puis là, ça fait juste ça. C'est complexe. Donc, la personne, oui, OK. La personne a des opportunités pour aller se soigner. Puis comme on a vu, il y en a juste 30% qui se soignent. Il y a deux grandes lignes, la grande façon de se soigner. On peut aller chercher de l'aide non pharmacologique. Puis je pourrais parler une session complète sur chacune de ces choses-là, mais je vais faire un résumé très, très, très sommaire, un peu comme Marie a fait. Le choix d'un psychologue est le choix d'une approche théorique et très personnelle. Puis chaque théorie a sa contribution à faire, comme j'ai dit. Les psychodynamiques, ça fait l'emphase est sur l'enfance. Les humanistes, l'emphase est sur le potentiel dans chacun de nous là, pour grandir et cheminer, atteindre notre maximum fonctionnement possible. Ici, on s'attaque aux pensées. Comment je parle, le petit monologue intérieur qui comment ça se fait que tu n'as pas compris ça? Ce genre de pensée va influencer non seulement les émotions, mais les comportements. Donc, on travaille ça en thérapie. Donc, chaque théorie a sa place, puis chaque personne va choisir selon ses intérêts, ses besoins. Les médicaments, il y a trois grands types, là, puis depuis, je n'expliquerai pas tout, mais c'est celui-ci qu'on voit le plus souvent. Les inhibiteurs de recaptage, ça veut dire ici qu'il y a le neurone
Il y a toutes les molécules de sérotonine, norepinéphrine, dopamine, ça c'est les trois qu'on entend plus. Puis ces médicaments-là vont laisser plus de molécules libres pour aller donner le message soit. Parce que normalement, les molécules viennent ici, ils donnent le message au prochain neurone, puis sont recyclés. Donc ça fait un loop. Mais le médicament bloque le recaptage. Donc les molécules restent disponibles pour dire, comme le wave là, au football. C'est un peu comme ça. Pas un peu d'explication très médicale. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, comme collègues, comme conjoints, comme amis, pour ce moment? La première chose, c'est surveiller, questionnez-vous sur vos préjugés, vos croyances, vos attitudes. Est-ce que vous êtes comme il y a des gens, comme moi je pouvais être, comme moi je peux être? Avez-vous l'impression que les gens qui tombent déprimés sont un petit peu plus faibles, qu'ils devraient juste travailler un petit peu plus fort pour se prendre en main? Encore une fois, puis je ne demanderai pas combien de personnes là, ont vécu une dépression, qui connaissent quelqu'un qui a vécu une dépression, mais il y en a, je suis certaine, un bon nombre dans la salle qui comprennent que c'est pas ça. Quand j'ai dit l'accès à la partie logique, j'ai pas de raison d'être déprimée. Je suis aimée, j'ai une bonne job, j'ai tout ce qu'il faut pour ne pas être déprimée. C'est pas logique. Et si, je veux pas que vous ayez l'impression qu'on est à l'église maintenant, mais je veux parler des choses humaines, parce que très sincèrement, je pense que c'est là que ça reste. On parle des choses brisées. On vit dans une société où plein de choses sont brisées. Les familles sont brisées. On a tellement d'amis Facebook, mais on n'est pas proches. Les liens entre les êtres humains sont faibles, sont pas profondes. La première chose que vous pouvez offrir, c'est votre écoute. Et je veux dire deux choses par rapport à l'écoute. Vous n'êtes pas le thérapeute si vous écoutez quelqu'un d'autre, un collègue, une amie. Vous n'êtes pas obligé d'offrir les solutions. Au contraire, juste être là et dire « Wow, ça doit être top, je suis là. » Parce que souvent, on a tendance à dire « Ça va bien aller, lâche pas. » C'est pas que c'est négatif, ça. On ne peut pas dire à quelqu'un « Lâche pas », c'est « Ah oh, non, faut jamais dire ça. » C'est pas ça. Mais c'est juste que si une personne, ça fait des années, qui combat la dépression, de toute évidence, la personne n'a pas lâché, mais ça va marcher encore. Donc, être à l'écoute, vous connaissez maintenant les signes, on arrive, vous avez très bien pris les mots, passez lentement pour que vous captez les signes. Mais il y a une chose que je vais vous dire aussi, oui, restez attentif à l'intérieur de vous, si vous avez des signes, puis dans votre entourage, mais prenez pas trop de responsabilités non plus. Le bien-être des autres est dans leurs mains, comme Marie a dit, il fallait que je quitte le travail, il fallait que j'emmène la fidélité au garage. Mais on peut être présent pareil, mais pas responsable des autres. La compassion. Printemps passé, j'étais à Boston pour une graduation à MIT, l'université MIT. Puis la personne qui parlait, c'était Megan Smith, qui est le Chief Technology Officer pour Obama. Elle a été tellement inspirante. Puis elle a dit quelque chose. Que... elle a gradué à MIT. Puis elle a dit, il y a quelque chose dans le motto de MIT qui, c'est beau, mais il y a quelque chose qui manque. Puis le motto, c'est taille et main. Parce que MIT, c'est très technologie technique. Elle dit, la chose la plus importante manque. Et là, je vais parler pendant 30 secondes de la pleine conscience. Dans l'approche de la pleine conscience, qui est une approche qui est comme un de bouddhisme pour le monde occidental, on parle beaucoup de non-jugement et de compassion. Quand je parle à mes clients, je dis, comment tu parles? Ton monologue intérieur, puis c'est comme j'ai dit tantôt, elle était de niaiseuse, puis c'est stupide, comment ça se fait que tu n'arrives pas? Est-ce que tu parlerais à ton enfant?
ton meilleur ami? Mais non! Mais comment ça? Mais ça se fait pas! Mais tu es en train de le faire à toi-même. Donc j'essaie de leur dire, essaie de trouver la même compassion que tu offrirais aux autres et tu peux l'offrir à toi-même aussi. Donc cette ouverture-là, ce grand cœur, cette disponibilité, c'est ce que tu peux offrir autant à toi-même qu'à vos collègues de travail, à vos membres de famille, à vos amis. Puis ça va faire une différence. Ils vont avoir besoin d'aller chercher une thérapie aussi, probablement, s'ils se rendent aussi loin que Marie. Mais un autre message que je vous laisse avec mes clients, et je suis désolée, je vais laisser en anglais. J'ai travaillé avec un groupe de personnes, mon chum, pour savoir comment on peut. Oups, c'est pas celui-là. Oh, excuse-moi. Et aider, l'autre chose, c'est aider à briser l'isolement. Parce que, comme je dis, on vit dans un monde où ces liens-là sont de plus en plus. Puis, on peut aussi demander de l'aide dans la prévention du suicide, de l'aide psychologue, à d'autres personnes, d'autres amis. John Kabat-Zinn, c'est le papa du mouvement de pleine conscience. Puis, j'adore ça. Puis, souvent, quand je dis ça à mes clients, ça fond en l'air. As long as we are breathing, there is more right with us than wrong with us. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes en vie, respirez. Il y a plus à l'intérieur de vous, plus de bien, plus de bon, plus qui est correct, plus qui n'est pas brisé que de choses brisées. Merci beaucoup.